Oh, hello, hello, hello. Les ouvriers des échafaudages sont partis déjeuner. Je me précipite pour faire une vidéo. Je me suis dit que j'allais, comme j'avais une routine en ce moment qui était élaborée d'une façon particulière, matin et soir, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo dessus. Alors, elle était plus adaptée quand il faisait très très froid, parce que j'avais vraiment la peau hyper sèche et tout et tout. Néanmoins, il y a peut-être des endroits en France où il fait plus froid, ou des gens qui ont la peau encore plus sèche à qui ça peut servir. Je ne sais pas pourquoi j'ai chaud. Que se passe-t-il? C'est une routine qui est adaptée, alors, à la température et à l'état de ma peau, mais aussi à l'état de mon esprit, de mon mental et aux circonstances, qui ne sont pas faciles. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler parce que moi, je recherche toujours l'efficacité, le côté scientifique et tout et tout. Et en fait, là, j'ai fait un soin chez Darphin la semaine dernière et Gaëlle m'a dit, mais alors là, en ce moment, vous laissez tomber toute préoccupation d'anti-âge, de trucs comme ça, c'est il faut vous faire du bien, il faut que ça vous fasse plaisir. Et en réalité, j'avais déjà commencé à choisir les produits en fonction de ce qui me faisait, notamment des odeurs qui me font plaisir, avant tout. Avant de chercher, donc elle m'a dit c'est pas le moment de vous mettre de la vitamine C, du rétinol, des machins comme ça. Bon, déjà parce que votre peau est sèche et un petit peu irritée, un petit peu sensible en ce moment. Je le vois en fait qu'elle est un peu sensible parce que quand je la nettoie le soir, j'ai les sillons nasogéniens qui rougissent légèrement. C'est la partie la plus où il y a le plus de terminaisons nerveuses du visage, toute cette partie-là, le tour du nez et de la bouche. Et on voit bien d'ailleurs quand on fait des allergies, souvent ça commence par là. Bon, par contre, c'est les allergies du contour de l'œil, bien sûr. Mais donc elle m'a dit, n'ayez pas de préoccupation d'efficacité, si on peut dire, pour l'anti-âge, le relâchement, les rides et tout ça en ce moment. C'est, il faut vraiment du confort, du doudou, quoi, si vous voulez. Et donc moi, c'est ce que j'avais commencé à faire. Je vous l'avais vu avec la vidéo que je vous ai fait sur les masques que j'utilise, les masques de nuit que j'utilise, qui sont tous hyper riches et tout. Il m'a dit, vous pouvez laisser tomber les masques exfoliants en ce moment, hein. Ne faites pas d'exfoliation, c'est surtout rien d'agressif. Donc ça vaut comme toujours, hein, ça vaut pour mon type de peau, qui n'est pas celui de tout le monde. Et par ailleurs, j'ai pas mal de produits qui sont assez chers. Une fois de plus, je ne dis pas qu'il faut prendre ces produits-là. Il y a des très bons équivalents moins chers. Me demandez pas lesquels, moi je ne les connais pas parce que j'utilise ceux-là, donc je ne saurais pas vous dire. Mais il y a des tas de domaines, à part les sérums quand même, c'est pas mal. C'est souvent les très bons sérums sont un peu plus chers. Justement, là, j'en ai un dont je vous ai déjà parlé sur mon blog qui est pas cher du tout et qui est vachement bien. En revanche, pour tout ce crème visage et tout ça, vraiment pas besoin de mettre beaucoup d'argent. Donc voilà, donc c'est une routine qui est avant tout confort et plaisir. Du coup, le matin, je ne nettoie pas mon visage. Comme d'habitude, je nettoie jamais mon visage le matin, j'en ai pas besoin. En revanche, je mets. Pour aider, en fait, tout est construit en fonction de ce qui suit. Donc, pour aider le sérum que je vais mettre en premier, qui est un sérum à l'acide hyaluronique, donc autant un sérum à la vitamine C ou tout ce qui est kératolytique, c'est-à-dire qui joue sur la texture de la peau, vitamine C, rétinol, tous ces trucs-là, AHA, BHA, tous ces trucs-là, il n'y a pas besoin d'humidifier la peau pour aider le sérum à pénétrer mieux. En revanche, quand c'est de l'acide hyaluronique, ça aide. Donc comme mon sérum contient beaucoup d'acide hyaluronique et qu'il est fait avant tout pour ça, on dirait que j'ai un chignon avec ma couronne derrière, bon c'est pas grave. Du coup j'utilise une brume ou une lotion avant que je mets sur ma peau et que je laisse pas sécher et je mets le sérum tout de suite par-dessus pour qu'il pénètre mieux et plus profondément. Donc les brumes j'en ai 4, enfin les lotions j'en ai 4, lotion, essence, brume, appelez ça comme vous voulez. Et je les mets en fonction de ma préoccupation, de mon envie. Il y en a une que j'utilise plus que les autres parce que j'adore son odeur. C'est celle, mais vraiment, mais cette gamme fraîche, mais la gamme Black Tea de fraîche, mais l'odeur des produits, mais c'est dingue quoi. Oh, cette odeur de thé, mais si je pouvais trouver un thé qui ait ce goût-là, j'adorerais. Parce que moi j'adore les thés à la bergamote et aux agrumes et tout, et ça sent toujours très bon, ça n'a jamais aucun goût. C'est jamais. J'ai tout essayé, rien de même les plus chers, les meilleurs, les mêmes. Rien ne marche. Bref. Donc là, c'est l'essence anti-pollution et anti-âge, soins essentiels, visage au kombucha et au thé noir. Donc c'est un soin, effectivement, c'est pas seulement hydratant. Il y a aussi un effet en plus, qui est donc anti-pollution, donc c'est plutôt un truc à mettre le matin. Donc celle-ci, elle n'est pas complètement, complètement liquide, elle est un tout petit peu gélifiée, mais à peine. Moi, j'aime pas les essences gélifiées, j'aime que ce soit vraiment comme de l'eau.
et que c'est, voilà, on tapote et ouf, on met le sérum tout de suite par-dessus. Donc c'est celle que j'utilise la plupart du temps, pas forcément pour ses propriétés, mais avant tout pour le côté plaisir. Parce que donc, le côté plaisir est très important en ce moment, et je vous répète une fois de plus la phrase de Gaëlle qui m'avait beaucoup marquée et à laquelle je crois, parce que vraiment le corps et l'esprit sont reliés, et donc la peau aussi, qui m'avait dit un jour, si ça ne vous fait pas plaisir, ça ne marchera pas. Donc là, j'ai que des trucs qui me font plaisir, donc ça devrait marcher du feu de Dieu. Donc voilà la première lotion essence donc, que je mets, que je laisse pas sécher. Enfin, c'est pas ruisselant, mais c'est humide et ouf, je claque mon sérum hydratant par-dessus. Mais je vais vous parler de toutes les lotions d'abord, avant de vous parler du sérum hydratant. La deuxième, alors là, c'est un truc de grand luxe. Hein, donc, c'est pas du tout qu'il faut acheter ça. Je veux dire, vous avez de l'eau de rose Sanoflore, c'est très bien. Ou de l'eau de je sais pas quoi Sanoflore, celle que vous voulez, c'est très bien. Là c'est donc l'eau florale hydratante de Tata Harper qui est très agréable, qui est particulièrement censée être particulièrement hydratante. Bon, moi je trouve qu'avec toutes les lotions et tous ces trucs là, on voit pas une différence dingue. Bon, déjà moi je vois jamais de différence sur ma peau avec rien ou à peu près, hein, à part la cure 30 jours de Bio Effect et le contour des yeux de Tata Harper. Globalement sinon il n'y a pas tellement de trucs où je vois un effet à l'œil nu, mais mon idée c'est d'abord que ce soit agréable et ensuite que ça aide donc le sérum à mieux pénétrer. Alors, mon problème, moi, avec les trucs qui se pchitent, c'est que j'ai les yeux hypersensibles. En fait, j'ai vu un ophtalmo récemment qui m'a dit « Oui, vous avez une allergie à quelque chose aux yeux, ça se voit, c'est pour ça que j'ai tout le temps les muqueuses qui grattent. » Donc, il m'a filé des gouttes à mettre dans les yeux, donc ça marche très bien. Il m'a dit « On ne va pas chercher la cause, hein, parce que vu le nombre de produits que vous utilisez, on n'y arrivera jamais. » Mais du coup, toutes les lotions que j'ai en pchit, quelles qu'elles soient, pardon, à part celle, mais je ne l'utilise pas en ce moment, c'est plus une lotion d'été, la brume... précisément Sanoflore, la brume Aqua Aeria que j'adore, celle-ci il n'y a aucun problème pour mes yeux, celle-ci je peux vraiment la pchiter comme ça directement. Toutes les autres, si je pchite sur mon visage, au bout de 3 jours j'ai les yeux qui recommencent à gratter, donc c'est un peu moins pratique, mais je le pchite dans mes mains et je le mets sur mon visage après. Vous pouvez aussi pchiter sur un coton et passer le coton sur votre visage. Là vu le prix du truc, je ne pchite pas sur un coton. Enfin, il se trouve par ailleurs, moi j'ai beaucoup de chance, tous ces produits là je les achète pas. Donc évidemment ça joue, hein, les marques me les envoient, c'est pour ça aussi que j'ai des produits hyper chers, etc. Si je devais tout acheter, j'aurais pas tout ça. Mais donc voilà, de l'eau, éventuellement de l'eau florale sur un coton, pourquoi pas, mais ça, non, hein, on gaspille pas. Donc celle-ci elle est très agréable aussi, j'aime beaucoup l'odeur, c'est très aromatique, hein, c'est très Tata Harper. Chez elle, il y a des produits qui ont des odeurs très agréables et puis d'autres qui sont absolument effroyables. Il y a notamment le sérum, je suis très déçue parce que c'est le sérum Elixir Vitae, c'est le sérum le plus puissant anti-âge qui est, moi je trouve que l'odeur est, mais j'ai jamais vu un truc pareil, donc je ne peux pas l'utiliser, hélas. Je peux peut-être le mettre sur mes mains, non, je crois que même sur mes mains je supporterai pas. Bref, donc ça c'est la deuxième, qui est donc la propriété principale, c'est l'hydratation. La troisième, c'est celle de Aurelia, Aurelia Probiotics, qui est donc une lotion. Celle-ci est très intéressante parce qu'elle contient, alors c'est pareil, hein, je la pchite aussi sur mes mains, parce que pareil, je peux pas la... Pourtant, là, autant celle-ci, c'est un jet un peu puissant, celle-ci, c'est vraiment une brume très fine, très agréable. Néanmoins, je la pchite quand même dans mes mains. Celle-ci, les produits Aurelia, ils sont à base de... Alors, ça s'appelle probiotique. En réalité, c'est des prébiotiques et des postbiotiques, ce qui est encore plus pointu, parce que les probiotiques, c'est la microflore bactérienne qu'on a à la surface de la peau, qui sont des bonnes bactéries, qui sont très importantes. C'est comme celles qu'on a dans le système digestif et qui sont très importantes pour la santé du système intestinal, bah sur la peau c'est la même chose, et quand il y a un déséquilibre, et ben la peau peut être irritée, avoir de l'eczéma, avoir de l'acné, enfin avoir toutes sortes de trucs. Et donc les produits Aurelia ciblent avant tout cet équilibre de la flore microbienne, la microflore microbienne à la surface de la peau, et donc ça c'est très bien pour rééquilibrer si c'est un peu, ouais, si c'est un peu sensible, un peu énervé, un peu des imperfections, ce genre de choses. Donc pareil, ici, et celle-ci, l'odeur est très... c'est vraiment... en plus, Aurelia, c'est du bio pur à fond, donc c'est comme Tata. Hein, donc, parfois, les odeurs sont un peu surprenantes. Celle-ci, elle n'est pas du tout horrible. Non, c'est aromatique, ça sent les plantes. Donc moi, j'adore les trucs qui sentent les plantes. J'aime pas les produits qui sentent les parfums de synthèse trop, quoi. À part certaines crèmes, mais sinon, je préfère que ça sente un peu les plantes. Donc voilà, excellent brume. Et tous ces produits-là, bon, à part celle-ci qui est plus difficile à remettre dans la journée, mais tous ceux qui sont en pchit, c'est évidemment des produits que vous pouvez pchiter sur votre visage dans la journée si
Vous avez un coup de chaud, vous avez un coup de stress, votre peau est déshydratée, vous avez porté votre masque vachement longtemps. Ça, pour le masque, c'est les produits Aurélien en ce moment, à mon avis, pour le masque, ils en font pas mal, parce que masque, nez, machin, enfin, tous les problèmes liés à ça, déséquilibre, donc, de la surface de la peau. Il faut que je regarde si j'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche, hein, je suis désolée, mais là... Eh ben non. Donc tout ça, vous pouvez repchiter dans la journée autant de fois que vous voulez. C'est des produits gentils, qui sont faits pour hydrater, en général pour apaiser aussi. Donc aucun problème à utiliser dans la journée. Et le dernier, c'est, ça fait très longtemps que je ne vous en ai pas parlé, mais j'en ai toujours une bouteille dans mon placard. C'est la brume hydra réparatrice de Audacité. Audacité, c'est donc une marque aussi ultra bio, ultra... Tout est ultra sourcé, enfin c'est du super sérieux dans le clean et le bio, etc. Et moi ce que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais découverte, c'est que le liquide de base, c'est pas de l'eau, dans tous les produits, le liquide de base c'est de l'eau. Là, le liquide de base c'est du jus d'aloe vera, qui a déjà des propriétés incroyables, donc je trouve ça assez classe, quoi. Et donc c'est hydratant avant tout, et donc celle-ci c'est pareil, je la pchite dans mes mains, parce que si je la pchite sur mon... Enfin, moi j'adore pchiter partout sur mon visage, je trouve que c'est un geste super agréable, mais au bout de 3 jours je me retrouve avec les yeux qui grattent, donc c'est bien la peine de mettre des gouttes anti-allergiques. Donc voilà, et donc celle-ci aussi est très... Elle est faite pour hydrater et apaiser, elle est très bien aussi, et pareil, on peut en pchiter aussi dans la journée. Et donc, une fois que j'ai mis ça, et que ma peau est encore humide, je tapote un peu, et je... Alors c'est... je vous dis, hein, je l'ai... c'est pas ruisselant, mais c'est... légèrement humide, je mets le sérum, mon premier sérum, parce que j'en mets deux le matin, deux le soir. Je vous dis, je me fais plaisir, avec des produits qui ne sont pas agressifs, qui sont choisis pour aller ensemble, etc. Et en fait, j'ai repris le phyto, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, parce que j'avais plus du tout la peau sensible, j'ai repris le phytocorrectif de Skin Sauticals, qui est, à mon avis, le meilleur sérum pour peau sensible qui existe sur le marché, enfin, dans ceux que je connais en tout cas, qui est la version... J'avais l'Hydratin B5 avant, qui est donc un sérum hydratant, plusieurs poids moléculaires d'acide hyaluronique hyper bien travaillé, enfin bon, la science énorme de SkinCeuticals, quoi, donc ultra fiable. Et celui-ci, il est en plus, il est fait pour les peaux sensibles, il est fait pour apaiser. Il y a du romarin dedans, c'est, mais sans aucun doute, il sent le romarin à plein nez. Quand vous en mettez, vous avez l'impression de vous retrouver dans le Luberon, quoi. C'est extraordinaire. Et donc je mets ça le matin, j'en mets aussi le soir en fait, en réalité, pour justement apaiser mes petites... en fait j'ai ces rouges un petit peu ici et un petit peu sur les pommettes, quand je nettoie mon visage, sachant que je frotte pas du tout comme une brute, que je fais ça hyper gentiment et tout, mais ma peau est un peu sensibilisée, je pense que j'ai peut-être dû utiliser une lotion exfoliante un peu trop costaud, ou... et puis ma peau est sensibilisée comme mon esprit, hein. C'est de toute façon c'est un... C'est le reflet hein, de ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Donc voilà, donc j'ai repris ça. J'en mets absolument partout, contour des yeux compris, il n'y a aucun problème. Ça peut tout à fait être mis là. C'est très hydratant, c'est très apaisant. Je vois déjà, ça fait pas très longtemps, ça fait moins d'une semaine que je l'ai reprise. Et je vois déjà que c'est moins... Ça ressort moins ici. C'est un de leurs produits stars. De toute façon, si vous avez la peau sensible, irritée, ce genre de choses... extraordinaire quoi. Voilà, ensuite je mets mon deuxième sérum parce que je suis quand même concernée par l'anti-âge hein, malgré tout, et qu'en plus je vous en ai parlé sur mon blog récemment, et que donc c'est un sérum que j'ai découvert il y a très peu de temps, enfin il y a 15 jours maintenant, et que j'adore, donc j'ai pas du tout envie de le lâcher, et donc ça fait tout à fait sens d'avoir d'abord un produit apaisant hydratant et ensuite un produit anti-âge un peu plus nourrissant, et là avec des peptides qui sont un ingrédient anti-âge hyper connu depuis 1000 ans, répertorié. Ça fait partie des produits dont on a vraiment, des ingrédients dont on a vraiment prouvé que ça fonctionnait contre le vieillissement cutané, comme le rétinol, vous voyez par exemple, ça fait des dizaines d'années qu'on sait que ça marche. Et donc ça, le Life Serum, je vous mettrai le lien de l'article que j'ai fait sur mon blog, parce que j'ai fait un partenariat avec eux pour vous le présenter, et là je vous le présente sans partenariat, parce que je l'utilise tous les matins. Il est super agréable, donc ils ont un peptide dedans qui s'appelle NDKP, je crois, ou NKDP, je ne sais jamais dans quel sens sont le D et le K, qui est un peptide ultra réparateur contre le vieillissement cutané, et je le trouve hyper agréable parce qu'il est, c'est pas un sérum complètement liquide, il est un peu fluide, vous voyez, et il a une odeur hyper fraîche, pas du tout envahissante, pas du tout entêtante,
Mais voilà, c'est un produit plaisir. Et pour ça, pour moi, c'est hyper important. Et alors, il y a des petites... on peut acheter en plus, séparément. Donc, je vous disais que ça, c'est un produit qui est... Par rapport à mes autres sérums, c'est vrai que Skintotical, c'est des produits très chers, mais ça coûte 49 euros. Je veux dire, ça va, quoi. Et il y a des petites gouttes qu'on peut ajouter. Il y a des gouttes confort qui sont de l'huile d'argan et de l'huile de... Je ne sais plus. Jojoba. Jojoba et argan, qu'on mélange dedans pour rendre le produit plus riche. Il y a d'autres gouttes qui sont pour les peaux sensibles que j'utilisais avant de reprendre ça parce que ma peau était irritée précisément, enfin était un peu sensible, je voyais bien qu'elle réagissait un peu et du coup je mettais les deux drops dans le sérum matin et soir pour apaiser et enrichir, etc. Depuis que j'ai récupéré mon phytocorrectif, c'est plus la peine, ça ferait doublon de mettre les gouttes pour peau sensible. Donc je mets le sérum donc, qui est anti-âge, qui est adapté à tous les genres, tous les types de peau, tous les âges, tout ce qu'on veut. Et quelques gouttes, ils disent 2 gouttes, moi évidemment j'en mets 3 ou 4, hein, je ne peux pas m'en empêcher. Pareil, là, ils disent 2 pressions, moi j'en mets 3 ou 4 aussi, mais parce que je fais comme toujours visage, cou et tout en bas du décolleté, hein, donc c'est un peu plus de surface. Et voilà, je mélange les deux. Pareil, j'en mets aussi sur le contour de mes yeux parce que c'est des ingrédients pas du tout irritants et qui ne peuvent que faire du bien au contour des yeux, qui en a bien besoin au contraire. Et c'est hyper agréable. C'est hyper agréable à mettre. Et donc voilà, donc ça participe à cette idée de routine qui soit bonne pour la peau et pour le temps qu'il fait et tout, et en même temps qui fasse plaisir, quoi. Voilà, ensuite je mets mon contour des yeux préféré de la terre entière. Où est-ce qu'il est? Voilà, enfin un de mes deux contours des yeux préférés. J'ai 2 contours des yeux préférés de la terre entière, c'est ces deux-là. Globalement, j'en essaye plein d'autres régulièrement, hein. Je reviens toujours à ces deux-là. C'est vraiment mes préférés, ceux qui marchent le mieux sur moi, ceux avec lesquels je trouve mon contour d'œil correct. Alors qu'avec tous les autres, c'est un peu plus ridé, c'est un peu moins sympa. Donc c'est une fois de plus, un produit très cher, mais tellement efficace. C'est le Age Eye Complex de Skinceuticals. Ça doit être mon 10e pot, je pense. Donc c'est une texture baume, quoi, hein, très riche. Donc j'en mets soit une quantité normale, donc trop pour moi, hein, parce qu'on dit souvent, on dit un grain de riz pour les deux yeux, pour le contour d'œil. Moi j'en mets un petit pot par œil, hein, tranquille. Donc soit j'en mets une quantité trop importante mais que moi je considère normale, soit les jours où je trouve j'ai vraiment les contours d'œil vraiment fatigués, je fais carrément un masque avec, donc j'en mets beaucoup et je laisse pénétrer et ça pénètre complètement. Il est incroyable ce contour d'œil, je l'adore, ça fait plusieurs années maintenant je pense que je l'utilise et il marche 10 fois mieux que les autres, quoi. Donc et pourtant, enfin je vous dis, c'est rare, en général je vois pas de différence, quoi. Ben là, c'est pas que ça me fait perdre 10 ans de l'utiliser, mais quand j'utilise autre chose, mon contour d'œil est moins joli. Donc bah, je préfère utiliser ça. Hein, vu mon âge avancé, c'est pas le moment de déconner avec le contour d'œil. Donc ça, c'est le matin. Quelle crème? Ah oui. Et en crème visage, j'en ai 2. J'ai découvert récemment, ça fait quoi, 15 jours que je l'utilise, un peu moins, la crème riche de Tata Harper. Bon, c'est pareil, hein, c'est encore un produit qui coûte 2,50 €, on est bien d'accord. Je ne vous dis pas d'acheter ça. Il y a d'excellentes crèmes riches dans des marques pas chères du tout, notamment chez Aven, la crème nutritive riche compensatrice. C'est ce que j'utilisais avant l'hiver. Elle est géniale. Chez Kiehl's aussi, il y a des crèmes très riches qui sont géniales. Il y a plein de crèmes très riches, de très bonne qualité, qui ne coûtent pas du tout le prix de ça. Bon, moi, il se trouve que j'ai fait un caprice, je voulais essayer ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est du beurre. Hein, elle est géniale. Elle a une odeur super bizarre, elles sont les plantes bizarres mais pas horribles comme le sérum, Dieu merci. Et alors, bah, c'est une crème doudou, quoi. C'est vraiment hyper agréable et vraiment, la peau reste nourrie toute la journée. Il n'y a pas de signe de déshydratation ou de dessèchement le soir, quoi, avec ça. Ça tient vraiment super bien. Et j'en ai une deuxième, donc j'alterne selon mon envie, qui est la nouvelle Stimul Skin Plus de Darphin. Crème riche régénérante absolue. Pareil, c'est une crème qui coûte 50 centimes, on est bien d'accord. Voilà. Et alors elle, c'est pareil, je crois que c'est encore plus du beurre que l'autre. Elle a plus une odeur d'arfum, bah forcément. C'est-à-dire une odeur plus traditionnellement cosmétique,
Les produits Tata Harper n'ont pas du tout une odeur traditionnellement cosmétique. Je vous dis, il y a ceux qui ont une odeur normale, supportable, et ceux qui ont une odeur atroce, enfin pas atroce, enfin le sérum, hein. Je vous dis vraiment, je m'en suis pas remis de l'odeur de ce sérum. Si vous allez le sentir, c'est celui qui est dans une boîte dorée, là, dites-moi ce que vous en pensez, parce que vraiment, mais... Bref. Et ça, c'est une odeur fraîche, un peu florale, un peu féminine, si vous voulez. Mais qui reste pas sur la peau, qui est pas gênante, qui est pas entêtante. Et alors, c'est vraiment, c'est pareil, c'est du beurre, quoi. C'est une crème doudou. Et en plus, bon, alors, cerise sur le gâteau, Steam Skin Plus, c'est la gamme premium de Darphin, en fait, et donc c'est anti-âge, de fait. Donc, bon, bah, très bien, hein, on va pas cracher dessus. Mais c'est surtout le confort, quoi. C'est merveilleux. Donc voilà pour le matin. Et en baume à lèvres de jour, je vous présente mon nouveau baume à lèvres préféré de la Terre entière, pour la journée. Qui est le pareil, encore un produit pas cher du tout, coûte 60 euros. Désolé, hein. J'ai fait un soin chez Darphin hier, chez Sisley. Je dis ça parce qu'en fait, c'est. Je me dis que s'il y a deux endroits magnifiques où faire des soins à Paris, c'est Darphin et Sisley. Et en plus, alors moi j'étais invitée pour le soin à Sisley, donc je connaissais pas les prix, mais j'ai vérifié après sur la carte des soins, et c'est un peu au-dessus de Darphin, mais pas tant que ça. Et l'expérience, mais c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. La qualité, déjà, la jeune femme qui s'occupait de moi, la qualité du... La main, quoi, comme on appelle ça. La bonne pression, les bons gestes, l'exactitude, la précision, et en même temps la douceur, puis l'environnement, quoi. C'est un endroit sublime. Bref, donc en sortant, j'ai acheté plein de trucs. Enfin, j'ai pas acheté plein de trucs, mais j'ai acheté quelques produits. Parce que quand même, je fais rarement. Et donc, j'ai acheté le baume à lèvres que j'avais trouvé génial, qu'elle avait utilisé sur moi pendant le soin, que j'avais trouvé génial. Qui s'appelle Confort Extrême Lèvres, et qui est donc un baume en peau, parce que moi, il n'y a que ça qui marche sur moi, très épais, très riche, sans parfum. Donc, exactement ce que j'utilise dans la journée, voilà. J'adore ce truc, en plus il est mignon parce qu'il est rose. Oui, il m'arrive d'être un peu girly et d'aimer des trucs roses. Voilà, ensuite le soir. Je vous passe les démaquillants, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, je ne sais pas combien de temps ça fait déjà. 21 ou 27 minutes. Bon bref, c'est assez raisonnable finalement vu le nombre de produits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est pas si mal, ça fait 2 minutes par produit, ça va. Le soir, donc je fais, si je suis comme aujourd'hui maquillée, je fais démaquillant avec un baume démaquillant et nettoyage avec un produit type Renaissance Cleansing Gel d'Oskia, un truc comme ça, un truc doux, absolument pas agressif, pas moussant, rien du tout. Et si je suis pas maquillée, je fais un seul nettoyage, démaquillage avec le produit qui me fait envie. De préférence un truc un peu gras quand même, parce que ça décolle mieux tout, ça enlève mieux tout. Et ensuite, eh ben je reprends. Pour la première partie, je fais la même chose que le matin, c'est-à-dire que je reprends une de mes brumes, celle qui me fait envie à ce moment-là. Je choisis un peu, comme dit... Gaëlle chez Darphin à propos des soins d'arôme, j'en ai un ici, donc je vais vous expliquer. Elle dit, il faut choisir à l'odeur. L'odeur qui vous fait le plus envie, c'est celle dont vous avez besoin pour votre peau. Donc là, c'est un peu pareil, je choisis un peu à l'odeur. Donc je mets un coup de brume pour humidifier la peau. Je remets mon phytocorrectif pour hydrater, parce que la peau a vachement besoin d'être... Elle a la peau a besoin à la fois d'être très hydratée et très nourrie en ce moment. Enfin, très nourrie si elle est sèche. Moi, j'ai vraiment la peau sèche. C'est constitutif. Je suis née avec la peau sèche, et plus je vieillis, plus elle est sèche, évidemment. Et en ce moment, tout le monde a la peau déshydratée. Déjà, quand on vit en ville, on a toute la peau déshydratée toute l'année, mais en plus, quand il fait froid, le chauffage, le masque, tout ça, donc il faut hydrater en plus de nourrir. Donc je remets ça pour apaiser, hydrater. Et par-dessus, je mets... sérum Midnight Recovery de Kiehl's que j'ai pas utilisé depuis des années. Et en fait, ils me l'ont envoyé dans leur coffret de Noël, je sais plus, la semaine dernière, je crois. Et en fait, j'ai vu le packaging était tellement noélique et tellement joli que je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas le réutiliser? Parce que c'est un produit qui est apaisant et anti-âge. Je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut en ce moment. Et surtout, l'odeur, mes enfants. Ils sentent la lavande, mais d'une façon... Mais c'est extraordinaire, c'est vraiment de l'aromathérapie, quoi. Donc là, voilà, j'adore. Alors ça, j'en mets pas autour des yeux, par contre, parce que c'est plein d'huiles essentielles qui sont pas forcément faites pour aller autour des yeux. Ils disent chez Kiehl's d'en mettre... Qu'est-ce qui se passe?
Non, ça va. Ils disent chez Kiehl's d'en mettre 2 ou 3 gouttes. Moi, j'en mets 6, je pense. Hein. Mais je fais le décolleté aussi, donc il faut plus de gouttes. Et alors, et moi, je fais la méthode d'Arfin avec les huiles, avec les soins d'arôme, justement. C'est que je respire 3 fois, j'en mets dans mes mains, je fais 3 grandes respirations comme ça, et après ça, j'étale partout. J'essaye de faire comme ils disent aussi, de presser le produit dans la peau. Moi, j'y arrive pas du tout, j'aime étaler. Mais alors, il est tellement agréable. Mais j'avais oublié qu'il était aussi agréable, quoi. Il est... Oh, puis ce packaging, je sais pas, ça m'a fait tellement plaisir. Leur collection de Noël cette année chez Kiehl's, l'artiste avec laquelle ils ont travaillé, a vraiment fait des... C'est joli, c'est des dessins gentils et réconfortants. Et voilà, du coup, j'ai eu envie de l'utiliser et je suis ravie de le faire. Alors, sachant que si ma peau est très irritée, enfin, genre... Quand il faisait très froid, là, quand il faisait genre 3 degrés dans la journée, et que ben, je voyais mes amis dehors, forcément, hein, parce qu'on voit les gens dehors, et qu'on passait du temps dehors, je rentrais chez moi le soir, j'étais là, avec la peau complètement comme ça. Donc, il m'est arrivé plusieurs fois, et il m'arrive encore de le faire, d'utiliser le soin d'arôme à la camomille de Darfin, qui est justement qui est un mélange d'huile végétale et d'huile essentielle apaisante. Donc, si j'utilise ça, j'utilise pas ça dessous. Parce que ça fait trop d'huiles essentielles. La peau ne va pas s'y retrouver, ça va faire cacophonie d'huiles essentielles. Limite même, ça peut être soit contre-productif, soit un peu irritant, parce qu'il y en a trop, quoi. Du coup, si je veux utiliser ça, je vais réutiliser mon sérum aux peptides. Parce que lui est sans huiles essentielles, et du coup, ça va pas lutter ou faire trop. Donc ça, si j'en utilise, par-dessus, je mets une de mes 2 crèmes, celle-ci ou celle-ci. Pour expliquer comment ça marche. Si j'utilise pas ce produit là, alors en soin contour des yeux, attendez, dans quel sens je vais? Si, donc j'ai éventuellement une huile que je mets sous ma crème le soir, hein, parce que la journée ça fait vraiment très riche. C'est vraiment si vous avez la peau hyper sèche et tout et que vous avez envie d'encore plus, alors vous pouvez la mélanger à votre crème. Moi j'aime bien la mettre dessous. Et donc mettre l'une ou l'autre de ces 2 crèmes par-dessus, hein, toujours les mêmes. Si je trouve que c'est pas encore assez suffisant, je me dis que ça va pas faire encore assez, ou j'ai envie d'un produit un peu différent, je vous dis, j'ai plein de trucs en ce moment, parce qu'il faut que ça fasse plaisir avant tout. Évidemment, je n'utilise pas tous les jours, et il y a des peaux qui sont ouvertes depuis je ne sais combien de temps, enfin, c'est de l'utilisation au long cours. Pas confortable du tout, cette position. J'ai 2 baumes de nuit que j'adore, qui sont... Le baume Evercalm de Rennes, le baume réparateur, comment il s'appelle? Baume réparateur nuit. La gamme Evercalm, c'est la gamme pour les peaux sensibles, donc il n'y a pas de parfum, ça sent rien. Donc ça, si je veux, je pourrais le mettre, par exemple, par-dessus ça, sans problème. Parce que là, il y a des huiles essentielles, mais là, il n'y en a pas. Donc ça va pas, ça va faire gras sur gras, c'est sûr, parce que ça, c'est une base d'huile. Hein. C'est un sérum base huile, c'est pas un sérum base eau. Donc ça va faire assez gras, mais c'est pas un problème. Ça peut fonctionner en ingrédients, si vous voulez. En revanche, si je mets celui de Darfin, le baume réparateur, le baume rénovateur aromatique, qui est fait pour réparer les peaux très sèches, agressées, sensibles, déshydratées, voilà, vous avez passé genre la journée dehors à faire du ski, oui je sais, en ce moment on n'a pas le droit, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, ou à faire du bateau, ce genre de truc, ça c'est génial, mais c'est pareil, c'est comme les soins d'arôme, c'est très aromatique, comme son nom l'indique, l'odeur est sublime, mais sublime. C'est un... Oh, c'est sublime. C'est à la fois aromatique et une toute petite pointe de citron. C'est tellement réconfortant. Et donc, on fait la même chose. On en chauffe un peu dans le creux des mains. Et pareil, on fait 3 grandes respirations. Et ensuite, on étale partout, sauf autour des yeux, bien sûr. Et donc, ça, c'est pareil. Je ne vais pas le mettre là-dessus. Parce que tout comme ça, ça va faire trop. Donc, si je veux utiliser ça, je vais utiliser ça. Comme ça, on est sur des produits différents, où il y a des huiles essentielles dans l'un mais pas dans l'autre, il y en a un qui est gras mais pas l'autre, enfin vous voyez, ça s'équilibre. Donc voilà, et pour le contour des yeux, est-ce que c'est clair mon truc? J'ai l'impression que miraculeusement cette fois-ci c'est clair. C'est peut-être l'effet des échafaudages, allez savoir, peut-être que ça va avoir un effet magique au final. Et pour le contour des yeux, je mets le baume yeux Lift Intense, de Tata Harper, qui est pareil, une fois de plus, un truc qui coûte 2,50 €, hein, voilà, je vous dis, je ne l'ai pas acheté, donc, mais ça fait partie, je vous avais fait une vidéo sur les produits que j'achèterais si on ne me les envoyait pas, celui-ci en fait partie, au même titre d'ailleurs,
que celui-ci. Enfin, il y en a d'autres hein, dans la liste, il y en a pas mal. L'air de rien. Oh, tout cela, c'est pareil, ça j'achèterai. Enfin bon, bref. Donc ça, c'est quasiment de la cire. Et alors attendez, celui-là, je l'ai commencé, je l'ai noté. Je note quand est-ce que je les commence, ces trucs-là. J'ai une feuille, j'ai 1 milliard de notes dans mon téléphone pour savoir combien de temps ça dure. C'est-à-dire que là, il en reste. Vous voyez ce qu'il reste? Il en reste beaucoup, hein, parce que j'en mets, je prends sur le dessus de mon ongle, j'en mets l'équivalent de la taille d'un demi-pignon de pain. Hein, et je l'ai commencé, celui-là, le 10 août. 10 août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 4 mois et il m'en reste là pour au moins 2 mois. De toute façon, c'est mon deuxième pot, le premier m'avait duré 6 mois. Donc ça coûte une fortune, 215 euros, je sais. Mais ça dure très longtemps parce qu'on en met vraiment très très peu. Voilà, et en baume à lèvres de nuit, ben, sans surprise, toujours le même depuis 25 ans. Hein, un grand gagnant. En plus, depuis qu'ils l'ont reformulé, c'est sympa parce qu'il n'a plus les petits grains dedans. Alors justement à ce propos, dans celui-là, il y a des petits grains. Ils se ressemblent énormément, ces deux produits. La texture était quasiment exactement la même, si ce n'est que celui-là est encore plus cireux, encore plus, j'allais dire, rigide. Encore plus dur, si on peut dire. Il faut vraiment creuser dedans. À part quand il fait 50 degrés l'été, un peu moins. Mais sinon, c'est assez similaire. Et celui-ci avait avant, ils l'ont reformulé, ils ont inclus depuis il y a un an ou deux, ils ont introduit de la propolis dedans et ils ont résolu le problème des petits grains qui étaient dus à la cristallisation de la cire ou du miel, je ne sais pas, du miel probablement. Et là-dedans, il y a un truc qui cristallise aussi, donc ça fait un petit peu des petits grains, donc je reconnais que quand on l'applique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, on a un peu l'impression de faire un gommage du contour d'œil, bon, c'est pas du tout agressif, hein. On aimerait mieux qu'il n'y ait pas de grains, enfin bon, voilà, il y en a, je vous le signale. Enfin, c'est pas des grains. C'est, si on appuie très très fort sur sa main, on arrive finalement à les fondre, si vous voulez, mais il y a un truc qui cristallise dedans. Mais voilà, et donc ça, en couche épaisse, tous les soirs, avant de dormir. J'ai oublié ma crème pour les mains. Ah oui, non, mais c'est mes soins visage. Puis de toute façon, ma crème pour les mains, c'est toujours la même, comme vous savez. Je suis contente! Les messieurs des échafaudages ne sont pas revenus, personne n'a sonné à la porte, il y a de la lumière, mon rouge à lèvres n'a pas coulé au coin de la bouche, c'est un Givenchy que j'ai reçu ce matin, qui est trop joli, je vous mettrai la référence. Ah, si, un tout petit peu quand même. Moi qui porte jamais de rouge à lèvres de couleur, je trouve hyper joli. C'est une espèce de corail, mais pas trop vif. Bref. Oh. Et j'étais pas essoufflée, je me suis pas perdue en route. Mais c'est miraculeux. C'est l'esprit de Noël qui est descendu sur moi. Bon ben voilà, écoutez, donc gardez bien à l'esprit que voilà, j'utilise pas tout en même temps. C'est, j'adapte selon les jours, selon mon envie, selon les envies d'odeur, selon les envies de confort, etc. Et puis donc il y a tous les masques dont je vous ai parlé la dernière fois que j'utilise en fait, voilà, en crème de nuit, j'utilise soit une de mes deux crèmes, soit un des masques dont je vous ai parlé la dernière fois, et c'est un peu un jour sur deux. Voilà, j'espère que ça vous éclaire sur ce qu'on peut faire pour sentir un petit peu mieux dans sa peau, au propre comme au figuré. Bon dimanche les filles et les garçons, ciao.